Shelly, c'est une petite tortue qui est donc la petite amoureuse que recherche Samy tout au long de sa vie. Et c'est une petite tortue un peu speedée, plutôt rigolote, toujours dans l'énergie, qui fait la dure mais qui est un peu trouillarde aussi des fois. Et qui est très attachante. C'est vrai que moi, dès que j'ai vu la petite Shelly, j'ai eu envie de lui donner une voix. J'ai très souvent dit que j'avais envie de faire du doublage. C'est quelque chose qui m'attire depuis très longtemps puisque je suis une dingue de cinéma d'animation. Et ben, peut-être enfin j'ai été entendue après toutes ces années à dire que c'était un exercice qui me faisait envie. Finalement, bon, c'est le même outil, c'est la voix, c'est une partie qui est la même, qui est celle de l'interprétation. Et à la fois, c'est très différent. D'abord, on n'a pas à supporter son image, on n'a pas à devoir être juste au niveau de son corps, mais juste à le laisser s'exprimer pour donner l'élan et l'impulsion qui va faire que la voix sera juste. Moi, je gigotais comme une dingue toute seule dans ma cabine. Et c'était super parce qu'on ne nous voit pas. Donc il y a un côté très confortable, c'est beaucoup plus confortable que de faire de la scène. Faut être généreux, ouais. Voilà. Il faut essayer de faire passer tout l'amour qu'on a pour le personnage et toute la tendresse dans la façon qu'il a de s'exprimer. Ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir une leçon d'écologie. Ça passe tout seul par le côté hyper touchant de les voir. Je crois que c'est Ray, la scène, et Samy, au moment où il y a de l'huile ou du pétrole qui tombe dans l'eau. Voilà, on est toutes comme on est vraiment en empathie avec les personnages. C'est pas attention les enfants, ne jetez pas, ne faites pas ça. On est tout de suite saisis par. La souffrance et le fait de se dire la répercussion, là, elle est nette et elle est mise en avant. Donc on est juste touché. C'est la meilleure façon de recevoir un message écolo ou autre. Moi, je fais le tri sélectif de façon très rigoureuse. J'ai des ampoules basse consommation. Voilà, j'achète un max de produits bio, en tout cas, ce que je peux. Voilà, je fais attention aussi... à tout ce qui est commerce équitable, des petits gestes. Mais si on les faisait tous, ou souvent quand je me balade sur la plage, je prends un petit sachet, je ramasse les mégots ou les détritus que je trouve. C'est souvent le petit truc qui n'est pas pénible quand on est sur une belle plage en train de se promener et où ça donne un petit peu de sens à nos vacances. Chérie est vivante. Elle est vivante. C'est incroyable.